Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans Actu Sport, le rendez-vous sur Radio RG30. On va vous parler de l'actualité football dans 100% foot. Forcément, on va évoquer la défaite du Nîmes Olympique. Du côté de Nancy, malheureusement, les Nîmois se sont inclinés sur le score de 3-1 dans le cadre de cette nouvelle journée de championnat de national. Il faudra mieux faire dès demain, tout simplement, face à Cholet. On vous en parle demain dans le programme du week-end sur Radio RG30. Mais voilà, en tout cas, il va falloir essayer d'aller chercher tous ces points importants pour se maintenir dans ce championnat. Les Nîmois, qui sont 12e à l'issue de cette journée, tout en sachant que Villefranche compte toujours deux matchs en retard, mais aussi d'autres équipes ont un match en retard et qui sont dans cette zone. Mais là aussi, Avranches, Gol FC, il va falloir tout simplement voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Bon, les Nîmois qui sont 12e hors zone de relégation, mais voilà, avec ces matchs en plus, mais ces matchs qui sont tout simplement de la saison régulière, hein, ils sont à jour, les Nîmois. Donc voilà, il va falloir se maintenir à tout prix cette saison pour voilà faire face à peut-être un nouveau repreneur pour le Nîmes Olympique. Pour le moment, on n'en sait pas plus à l'heure où on se parle. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique. Et non, Boker et Alex, ne jouez pas. Mais ça va pas tarder à revenir là aussi du côté des championnats de National 2 et de National 3. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Passez une excellente journée sur nos antennes. A ciao, bonjour et surtout bonne journée.